Les baladeurs, une série audio, les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. Bien arrivé à l'aéroport, récupère mes bagages, là dans une demi-heure, trois quarts d'heure, ok? Lorsque Evra me retrouve à la terrasse du petit café parisien où je lui ai donné rendez-vous, il débarque tout droit du Groenland. La peau burinée par le soleil et le froid, un gros sac d'aventurier qui semble peser le poids d'un homme, et un grand sourire, celui de ceux qui rentrent à la maison, pour quelque temps, avant de repartir. Autant dire que parmi les clients alentours, il dénote. Evra Vandenboom, c'est, comment dire, un vrai aventurier. Dans toutes les régions du monde, il est allé là où l'homme n'a pas sa place, explorer les plus hauts sommets, les massifs tropicaux les moins accessibles ou encore les faces escarpées des régions polaires. Pourtant, ses premiers amours de l'exploration, il les a vécus grâce à l'alpinisme. Le regard bleu dans le lointain, on dirait qu'il se rappelle quelques sommets enneigés. Alors il se souvient une expérience particulière. L'ouverture d'une voie avec des compagnons de cordée inoubliables. Sean Villanueva, Audis Kroll, Nicolas Favresse, Stéphane Hansens. Mais arriveront-ils jusqu'au sommet de ces monts célestes à la frontière sino-kirghize? Maîtriseront-ils la paroi gigantesque de 1500 mètres culminant à 5842 mètres? Je suis né à Grenoble, donc forcément le milieu de la montagne était assez évident pour moi depuis assez jeune. Je me suis pas mis à faire très 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 tôt de la montagne puisque mes parents n'étaient pas non plus des alpinistes chevronnés, ils n'étaient pas grenoblois à la base. Mais je m'y suis mis à vers 14 ans, je pense, à commencer à vouloir aller de plus en plus haut, à grimper des trucs de plus en plus raides et puis voilà, à me passionner pour ça. Après, ça va vite, hein. On grimpe les falaises qui sont derrière chez soi, et puis après on a envie d'aller faire celles qui sont en face de chez soi, et puis ensuite on a envie d'aller vers les montagnes qu'on connaît pas encore qui sont derrière. Moi, le massif qui était juste derrière chez moi, c'est le massif de Chartreuse. J'ai fait beaucoup d'escalade et de grimpettes, de randonnées là-bas, de spéléo et tout. Et puis en face de chez moi, il y avait le massif de Beldon, qui est déjà un peu plus haut, qui atteint presque les 3000 mètres. Donc, possibilité d'aller grimper un peu plus. Et puis derrière, il y a le massif des Écrins, il y a le massif des Grandes Rousses, il y a le massif du Mont Blanc, un peu plus loin encore. Tout ça a été mon terrain de jeu pendant quelques années, je dirais jusqu'à 20 ans, 20, 21. Et puis à peu d'un moment, j'ai eu envie d'aller plus loin. On est au mois de juin 2013. Je sors d'une opération d'une hernie discale bien, bien sévère. Je suis resté coincé sur mon canapé pendant 6 mois quasiment, à pas pouvoir bouger, pas pouvoir marcher, rien du tout. J'étais vraiment complètement coincé jusqu'à cette opération. Et puis, quelques jours après l'opération, je vais au festival du film d'aventure de Val d'Isère. Et puis, je rencontre parmi les festivaliers Sean Villanueva Audris Kroll, un grimpeur dont le nom ne donne pas du tout idée de sa nationalité. Il est belge. C'est un grimpeur extraordinaire. Il vient présenter un film sur une ascension au Venezuela, sur ce qu'on appelle les tepuis, une sorte de grande plateau de grès qui émerge de la forêt amazonienne, où ils étaient allés faire une expédition avec son groupe, une sorte de petite équipe de Belges. Ils sont tous Belges, grimpeurs extrêmement doués. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est que ils emmènent leurs instruments de musique en paroi partout où ils vont. Ils sont connus pour ça, ils sont appréciés pour ça. Je rêvais, j'avoue, de partir un jour avec eux. On passe du temps, on papote, on sympathise et tout. Et puis quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil ou un mail, je me souviens plus, me disant « Est-ce que ça te dit de partir avec nous ?» Donc je dis « Ben ouais, bah, aucune hésitation. » Et puis on écrit un mail à un collègue américain qui s'appelle Mike Liebecki, qui est un grimpeur explorateur qui a fait beaucoup de choses un peu partout sur la planète, en Sibérie ou ailleurs, ou en Antarctique. On avait vu qu'il était allé plusieurs fois, 3 fois de suite je crois,
dans les montagnes du Tien Shan. Le Tien Shan, ça parle à personne. C'est peut-être une des plus grandes chaînes de montagnes du monde. C'est situé entre, grosso modo, l'Iran et la Mongolie. Donc, ça prend naissance en Iran. Ça traverse tous les pays en stan, là, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkménistan, etc. Et ça vient se terminer dans les plaines de la Mongolie. Et ça fait toute la frontière entre la Chine et tous ces pays en stan, donc de l'ex-URSS. Et c'est des montagnes qui sont extrêmement hautes. Le plus haut sommet, il monte à 7500 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas rien. C'est plus long en distance que l'Himalaya, c'est légèrement moins haut, mais c'est plus long. Très peu connu des Français, enfin, des Européens de manière générale, voire des Américains aussi. Enfin, c'est uniquement un coin qui était réservé pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, aux Russes. Ils allaient faire tous leurs entraînements, toutes leurs ascensions, tous leurs trucs là-bas. Donc la plupart des grandes ascensions très difficiles ont été faites par des Russes ou des républiques d'ex-URSS. Cet Américain, donc, Mike Liebecki, est allé trois fois là-bas, trois fois de suite. Et donc, on lui écrit, on lui dit, c'est comment, quoi? Ça a l'air pas mal. Et il nous répond un truc laconique. Ça disait, il y a largement de quoi faire. Allez-y. Ouais, c'est tout. Voilà. Et là-dessus, on est parti. On s'est dit, allez, ça, c'est le spot qu'il nous faut. On sait pas du tout où on va. On sait pas quelle montagne on va gravir. On sait pas quelle paroi on vise. On a aucune photo, aucune information. Mais on y va. On part tous fin août. Et premier couac, j'arrive pas à obtenir mon visa pour aller en Chine. Où je me dis que c'est peut-être lié au fait que j'ai posé un drapeau de Reporters sans frontières sur la Tour Eiffel le jour du passage de la flamme olympique pour les JO de Pékin. Mais non, c'était pas ça. On arrive à se retrouver finalement dans une ville qui s'appelle Aksu. Une ville mochissime de l'ouest de l'extrême ouest de la Chine. Et on commence à prendre la route, je crois que ça a duré une quarantaine d'heures, je dirais, où on a passé je ne sais combien de checkpoints. Et puis on nous signifie à chacun des checkpoints qu'on n'a pas le droit de faire trois choses. Faire de l'alpinisme, interdit. Donc pas de corde, pas de piolet, rien du tout. Pas le droit d'approcher la frontière à moins de 5 km. Or, le coin où qu'on visait, nous, suite aux infos de Mike Liebecki, c'était sur la frontière entre le Kyrgyzstan et la Chine. Et trois, interdiction de faire un film. Ça tombait mal, moi j'étais là dans l'équipe principalement pour faire un film et des photos. Et donc dans notre bus, on n'avait que du matériel d'escalade, des trucs. Donc on allait transgresser trois règles. Ça commençait bien. On arrive dans un tout petit bled de paysans du coin, avec des chameliers. Et on part pour... deux jours pour atteindre le camp de base. On rentre dans une longue vallée qu'on pénètre petit à petit. On voit des petits villages de nomades avec des yaks, etc. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. On n'était pas du tout dans un territoire de haute montagne. C'était très assez vallonné, des reliefs très doux, très verdoyants aussi, beaucoup de lacs, des belles rivières, assez calme. On avait du mal à croire que juste derrière, on allait trouver des parois gigantesques et des trucs comme ça, et des glaciers. Et puis on arrive au front du glacier. Et là, on commence à deviner des parois au fond. On pose notre camp de base ici sur une belle prairie. Et puis on part pour une première semaine d'exploration. Donc on commence à monter avec un peu de matériel, mais surtout pour aller prospecter dans les différentes vallées du coin auxiliaire pour voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. On monte un camp de base avancé. Comme on était quatre, on pouvait faire deux cordées. Une cordée qui part à droite, l'autre qui part à visiter la vallée de gauche. Et puis chacun revenait le soir faire son compte-rendu en disant « moi j'ai vu ci, j'ai vu ça », on monte les photos, etc. Et puis assez rapidement, l'équipe de Sean et Nicolas se dirige dans la vallée du Kizilasker, qui est le plus haut sommet du coin, qui est vraiment sur la frontière avec le Kyrgyzstan. Et là, ils voient une paroi magique, quoi. Et ils reviennent, ils disent « là, on a vu quelque chose, quoi. Je pense que c'est le top ». Tu pars d'en bas du glacier, tu grimpes sur du caillou d'en bas jusqu'en haut, et en haut, t'es au sommet de la montagne. T'as pas encore, tu vois, je sais pas, peut-être 1000 mètres de dénivelé à faire dans des chaos de blocs ou des choses comme ça, ou sur des pentes de neige. Là, c'est vraiment boum boum, d'une traite, t'arrives au sommet. D'autre part, t'as 1250 mètres de haut, ce qui est quand même rare d'avoir des parois de cette ampleur-là.
Et ensuite, c'était la qualité du caillou. Alors ça, on l'a su seulement après. De loin, on n'arrivait pas à savoir si c'était du bon caillou ou pas, mais voilà, la réalité a été encore au-delà de nos attentes. La paroi magique, c'est ça, c'est quelque chose qui a de la gueule, quoi. Tu vois, c'est quelque chose où quand tu arrives dans la vallée, tu vois ce truc, tu te dis, waouh, j'ai envie de grimper ça. Je sais pas, c'est bête, hein, mais quand on est grimpeur, il y a des petites choses comme ça qui sautent aux yeux. Et puis là, c'était clairement la plus haute de tout le coin. Donc, c'était évident qu'on allait viser cette paroi. On revient se reposer 2 jours au camp, faire les préparatifs et tout. Et assez rapidement, on a eu du mauvais temps. On est début septembre. Il neige énormément. Et plus ça va aller, logiquement, plus il devrait neiger. Donc, ça commence pas très bien. Quand on choisit nos jours, le nombre de jours qu'on va mettre, on essaie de viser juste, quoi. On essaie d'avoir la bonne quantité de nourriture, la bonne quantité de gaz, d'estimer tout le matériel qu'il faut, etc., comme il faut. Et donc là, on estimait à peu près 15 jours dans la paroi. Et sur ces 15 jours, on estimait qu'on allait avoir la moitié, grosso modo, de mauvais temps. S'il fait mauvais, par exemple, dehors, et qu'il y a une tempête, on n'a qu'une envie, c'est de faire du thé, de manger, voilà. Alors que quand on est en activité, on va manger des barres de céréales, des graines, des trucs comme ça, mais on n'est pas du tout dans la même consommation d'aliments. Et donc, quand on fait notre paquetage de bouffe, au départ, il faut qu'on estime le nombre de jours de repos, même si c'est du repos forcé, hein, et le nombre de jours d'activité, parce qu'on n'a pas la même consommation de nourriture dans ces journées-là. C'est assez surprenant, peut-être, parce qu'on aurait tendance à penser que plus on fait d'exercice, plus on mange, mais en l'occurrence, c'est l'inverse. C'est plutôt quand on est au repos qu'on se rattrape, en fait, et qu'on compense. Je fais des rations par jour, avec des fruits secs, quelques barres énergétiques, des noix. On attaque notre fameux portage, qui nous a pris 6 jours quand même. Tu prends un sac de 30-35 kilos sur le dos, tu remontes une moraine ultra instable tout au bord du glacier, puis un talus de 300 mètres de haut, vraiment bien, bien casse-gueule aussi. C'était bien raide avec des gros blocs branlants, etc. Et puis là, on arrivait sur un replat avec un deuxième glacier sur lequel on prenait pied assez rapidement. Et là, on le suivait pendant 2-3 heures à nouveau. Et on avait notre camp avancé. Et puis de ce camp avancé, il fallait encore s'approcher de la paroi. La paroi était encore à une demi-journée de marche du camp avancé. On amène le matériel jusqu'au pied de la face. Et là, une fois que tout est au pied de la face, on peut commencer l'ascension. On est arrivé au pied de la paroi, on était crevés, on était morts. On était cuits. Moi, j'avais eu, pendant la semaine d'exploration, donc la toute première semaine, je m'étais brûlé le visage à cause de la neige. J'avais pas mis assez de crème, je sais pas, enfin, truc tout bête, mais il faisait très chaud. On montait à 4800 mètres pour passer à des cols. Et on cramait littéralement. Et moi, ça m'a brûlé tout, du nez, du haut du nez jusqu'en bas du menton. J'étais brûlé intégralement, les lèvres complètement en dessous. Et donc, je pouvais pas manger correctement, je pouvais pas respirer correctement. Je brûlais de partout, c'était affreux. Nicolas avait eu quelques petits soucis aussi gastriques au début de l'expédition suite à quelques consommations de nourriture chinoise dans les villes du coin avant d'arriver sur les camps de base. Ensuite, il a eu un léger mal des montagnes au camp de base. Donc bref, on n'était vraiment pas dans la meilleure posture. On se prépare à aller voir ce petit monstre qui se trouve juste derrière le coin. Une fois qu'on a attaqué la paroi, tout ce qu'on avait porté, eh ben, il fallait le hisser maintenant le long de la paroi. Sauf qu'une paroi, quand c'est complètement vertical, voire légèrement déversant, donc encore plus raide que vertical, c'est facile à hisser parce que les sacs, ils sont suspendus dans le vide, ils frottent sur rien. C'est physique, mais ça pose pas de problème, quoi. En revanche, quand la paroi, elle est légèrement inclinée, elle est pas encore totalement vertical, et ben tous les sacs ils vont frotter partout, sur le moindre la petite aspérité, le petit bloc, le petit bidule. Et là, ça s'accroche dans tous les sens.
tous les sacs s'accrochent. Donc il faut remonter, décrocher le sac, redescendre, rehisser, remonter, redécrocher le sac. Oh, vraiment, c'était des journées qui nous ont bouffé une énergie considérable. Et puis on arrive à notre premier camp de paroi qu'on situe grosso modo à, je dirais, 400 mètres de haut par rapport au glacier, donc. On commençait déjà à prendre pas mal de hauteur, vue splendide sur le glacier et puis sur les montagnes qui dépassaient un petit peu des premiers plans. Haute montagne, hein, déjà, là je pense que les sommets alentours ils sont autour de 6000 mètres quand même. Quand on est à ce campement-là, je crois qu'on est à 4950 dans ces eaux-là. Tu es donc dans ta tente de paroi. C'est une sorte de structure métallique rectangulaire avec une toile tendue au milieu et puis des sangles qui partent de chaque coin de ce rectangle métallique et qui viennent se relier en un seul point central. Et c'est ce point central qui est accroché à un piton, à un coinceur, à ce que tu veux, à une sangle. Et nous, on s'installe sur le tamis, là, l'espèce de structure textile qui est tendue entre les armatures métalliques. Première sensation de, pas de suffocation, mais de quelques difficultés à respirer, notamment la nuit. Il arrive qu'il y ait des petits moments de pas de panique, mais de suffocation un petit peu, ouais, c'est ça qui arrive parfois en pleine nuit, hein, on se met à respirer beaucoup plus fort que prévu. Et le matin, quand on se réveille, ben, c'est fabuleux, quoi. Alors, d'une part, on a l'énorme glacier qui part, là, qui va vers la vallée. Et puis, tout autour, il y a des parois dans tous les sens. Soit des grands couloirs de glace, tout blanc. Soit des parois qui étaient assez colorées. On avait un rocher, en fait, qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver en Corse. Des granites qui sont de très bonne qualité et qui sont légèrement rosés, comme ça, orange, rosé. Et ben, là, on a exactement la même chose. En Corse, il existe un truc, d'ailleurs, que je croyais ne pas trouver ailleurs, qu'on appelle des tafones. Ça s'écrit tafonie. C'est des sortes de trous dans le granit qui font un peu comme du trou dans un emmental. Et donc, on se retrouve avec des parois qui sont pleines de trous et donc pleines de prises. Et là, on arrive à 5000, 6000 mètres pratiquement et toute la paroi, elle est remplie de tafones comme ça aussi. Magique, franchement, c'était magique. Donc tout était parfait, le rocher était top, les protections étaient superbes parce que le rocher était de bonne qualité. Donc on n'avait pas peur du tout, ni de tomber, ni d'installer nos campements, comme ça avait pu être le cas dans d'autres expéditions sur d'autres types de roches. Là, on est serein, quoi. On est vraiment un bel endroit, une belle équipe, la paroi est magique, enfin bref, tout est top, on joue de la musique un peu. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait très froid. Le soir, il fait moins 10 dans la tente. Moins 5, moins 10 dans la tente. Et dehors, il fait moins 15. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence parce que c'est juste une tente, hein, c'est juste une petite paroi. Donc nous, on arrive à vaguement réchauffer l'intérieur, mais de rien du tout, de quelques 5 degrés. Et donc, toute l'énergie qu'on perd dans la journée pour les efforts divers et variés, que ce soit pour le hissage ou pour grimper ou pour filmer ou pour tout ça, on n'arrive pas à les récupérer le soir, la nuit. Le camp est installé, on est à l'intérieur d'un congélateur, quoi. Toutes les faces ici, que givrées, quoi. Toute la face, regarde ça, quoi. Et il neige dehors. Il arrive que certains matins, quand on ouvre la tente, il y ait de la neige, voire même on n'a pas besoin d'ouvrir la tente, on sent qu'il y a une petite couche de neige qui est posée sur ce qu'on appelle le fly, l'espèce de auvent, enfin de toit, quoi. Et donc là, on se dit, on peut pas grimper, tout simplement, parce que nous, notre ascension, c'était vraiment une ascension rocheuse, et notre objectif, c'était de la grimper en libre. Alors, le libre, ça veut dire à main nue, sans se servir d'artifice, quel qu'il soit. C'est-à-dire, évidemment, on a des coinceurs, on a des pitons, mais on a uniquement le droit, on se donne uniquement le droit de les utiliser pour se protéger en cas de chute, mais en aucun cas pour se hisser. Donc, on peut pas planter un piton, tirer dessus et aller à plus haut. On a juste le droit de planter le piton, de mettre le mousqueton dedans, et ensuite on grimpe autour, et si jamais on tombe, le piton va nous retenir, mais voilà, on n'a pas le droit de tirer dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre. Ça a un inconvénient, c'est que dès qu'il y a de la neige ou de la glace, on peut plus grimper, ou en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, tout est trempé, tout est froid, etc. Donc, on est coincé. On est coincé dans nos portes-à-ledge régulièrement, et là, l'avantage avec cette équipe, c'est que on sort les instruments de musique. On se regroupe à quatre dans un portaledge, c'est rikiki. Et puis on commence à faire des sessions musicales improvisées complètement.
Stéphane avait une sorte de calebasse, ouais, il avait une calebasse qu'il avait amenée jusque là-haut. Nico, il avait un banjo, je crois, ou une mandoline, peut-être. Sean a un assortiment de flûte et d'harmonica. Et puis moi, ben, il fallait bien que je me trouve un instrument pour rentrer dans l'équipe. Et donc, j'avais hésité, j'avais fait pas mal de violon quand j'étais petit, j'avais fait 10 ans d'alto plutôt, et donc je m'étais dit tiens, peut-être que je pourrais trouver un petit alto, et en fait les petits altos ça oblige à avoir des tout petits doigts donc ça marche pas du tout, surtout quand on a les doigts défoncés parce qu'on a grimpé, qu'il a fait froid, qu'on a des crevasses partout, enfin, c'est pas du tout adapté. Du coup j'avais opté pour un xylophone, un mini xylophone métallique. Je commande ça juste avant de partir, j'ai jamais fait de xylophone de ma vie. Mais c'était fun. Et là, Nico, premier truc qu'il me dit, vas-y, fais une mélodie, on va jouer autour. Non, ça a été super drôle et ça faisait passer le temps, en fait. Avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'amusement et puis voilà, c'était très chouette. On monte, on monte, on monte, on arrive à progresser malgré le mauvais temps. Et on essaie de saisir les bonnes fenêtres pour aller le plus vite possible les jours où il fait beau. On arrive à un stade, à un moment donné de l'ascension, je pense qu'on est à notre troisième campement, on est à 5400 à peu près. Joli petit camp avec une sorte de névé suspendue en paroi, juste un névé, c'est une sorte de plaque de neige, et là qui tient juste tant bien que mal entre quelques cailloux, et ça nous permet d'avoir de l'eau, parce que nous il nous faut de l'eau, donc il nous faut de la neige forcément à faire fondre. Et donc on installe notre campement au sommet de ce petit névé, suspendu, hein, parce que c'est très raide, hein, c'est extrêmement raide. Et on va chercher la neige au piolet, on remplit notre petite gamelle et on fait notre popote comme ça. Mais voilà, là on reste sur ce campement pendant 4 jours, 5 jours, mauvais temps dur. Et puis nos réserves de gaz s'amenuisent considérablement. Et au point de se dire, bon, il nous reste plus qu'une réserve, ça veut dire grosso modo, il nous reste un jour et demi de gaz. Ça veut dire un jour et demi de nourriture, quoi. Il n'y a pas d'autre chose que le gaz pour s'alimenter, pour faire du thé, pour tout ça. Tout le monde faiblit, pas mal. C'est au tour de Sean de faiblir en dernier. Sean, c'est une machine. C'est vraiment le moteur de l'expédition. Il est sur tous les fronts. Il est toujours le premier levé, le premier sur les cordes, le premier à grimper, le plus rapide au hissage, la locomotive de l'équipe. Mais aussi herculéen qu'il soit, il a des limites aussi de temps en temps. Et un jour, il a un gros coup de moins bien en pleine nuit, une infection à la main. Ce qu'il faut imaginer, c'est que tous les bobos qu'on se fait à cette altitude-là ne cicatrisent pas. Ils ne font qu'empirer petit à petit au fur et à mesure d'expédition, suite au froid et à la sécheresse qu'il y a là-haut. Et donc les tout petits bobos, on en a plein, on a des ongles qui se décollent à cause du froid, on a des gerçures énormes qui s'ouvrent de plus en plus, on a les égratignures que les grimpeurs se font dans les fissures, etc. On a des débuts de gelure, des froids constants dans les pieds qui font qu'à un moment donné, on n'arrive plus à alimenter tout ça correctement. Bref, Sean, en pleine nuit, se réveille assez brutalement, il a mal à la main, il a la main gonflée comme ça. Et il vide le truc, il a une poche de pu énorme dans la main qui se vide, et il se sent pas très très bien. On est quand même à 5005, loin de tout. Et le lendemain, il nous dit, ben non, là j'y vais pas, allez-y, je vais me reposer. Une journée lui a suffi, il a pris quelques antibios et ça a été immédiatement résorbé, son truc. Et il était opérationnel dès le lendemain. Mais voilà, on est avec cette limite de temps. Et puis là, on commence à avoir des doutes sérieux sur notre capacité à atteindre le sommet, parce qu'on est encore loin du sommet, on est à plus de 400, 450 mètres du sommet. Des longueurs qu'on n'a pas idée, on ne sait pas si c'est très difficile. Nous attendent ce qu'on appelle des longueurs de mixte, c'est-à-dire des longueurs où il n'y a pas seulement de l'escalade sur rocher, mais aussi de l'escalade sur glace. Et ça, c'est moins le terrain de prédilection de mes compagnons de cordée. Donc, on sait pas trop combien de temps comment on va franchir ces obstacles là, si ça passe bien, pas bien, etc. Steph, est-ce que la corde blanche est fixée? En tout cas, si on arrive au sommet, ce
Ce sera bien majeur, hein. Mais si on n'arrive pas au sommet, ce sera bien majeur aussi. Ce sera bien majeur quand même, hein. S'entament des discussions, notamment un soir, on est là, chacun dans nos tentes, on a mangé, etc. Puis on sent qu'il y a une sorte de fébrilité de part et d'autre, on ne sait pas trop si on ose parler. Et puis bon, à un moment donné, on lance le débat, qui veut tenter le sommet ? Je dis, oui, mais non, on n'est pas assez près, on est trop fatigué, il faut qu'on se repose, etc. Non. La discussion, elle est longue, elle est même pas houleuse, mais... Et ça crée un tout petit peu de tension. Et puis arrive un moment où il faut choisir. Donc on dit, ben allez, ce qu'on fait, c'est qu'on se lève demain matin. Et puis s'il fait beau, on y va. S'il fait pas beau, on reste couché. Et puis ben, ça a pas loupé, il a fait moche. C'est repos forcé pour toute l'équipe. Tant mieux. Au final, c'était certainement une bonne chose. On se repose, on prend soin de nous, on essaie de guérir un petit peu nos bobos. On lit, on boit, on mange, on fait tout ce qu'on peut. Mais là, clairement, il n'y a plus le choix. Il nous reste plus rien en gaz. On est à la limite de devoir même abandonner l'aventure. Il n'y a plus de solution. C'est soit on part demain, soit on abandonne. Là, la chose est simple. C'est on y va coûte que coûte, beau temps ou pas beau temps. On y va le lendemain matin. On dort mal, évidemment, avec cette perspective-là. On ne dort pas très bien. Et puis à 3h du mat, tout le monde est sur le pont, les étoiles sont là dans le ciel. Allez, go, on y va, on s'équipe, on commence à remonter les cordes fixes. On arrive avec quelques longueurs supplémentaires en rocher, on atteint la partie haute de la paroi et on atteint la partie de mixte, donc neige, glace, etc. On attaque ces longueurs, superbes longueurs, magnifiques. Enfin, c'est des petits passages comme ça où t'as juste... juste la place qu'il faut pour poser tes crampons là où il faut, le piolet là où il faut. Assez technique, assez difficile globalement, mais hyper plaisant, hyper agréable, relativement facile à protéger. On se régale, mais on avance lentement parce qu'on est quatre, parce que c'est difficile et puis parce qu'il fait extrêmement froid. Donc on fait tout un petit peu avec lenteur, une lenteur dont on n'est pas forcément coutumier, mais qui nous prend de court, quoi. Et puis à un moment donné, on arrive à un relais, à un endroit où on se retrouve, qui est plus ou moins suspendu dans le vide. Vraiment pas confortable, on est un peu les uns sur les autres, on se caille. Au-dessus de nous, il y a ce qu'on appelle un toit, un plafond, quoi, un toit rocheux, d'où pendent des stalactites énormes qui sont un peu comme des épées de Damoclès, qui sont juste au-dessus de nos têtes, mais des grosses stalactites, hein, de peut-être 4 mètres de long. Voilà. Bon, on n'est pas serein du tout, et Sean part dans la longueur au-dessus. Et je regarde un petit peu en dessous. En dessous, il y a 1200 mètres de vide. Au-dessus, on ne sait pas encore combien il nous reste, mais il reste un petit bout. La grosse ambiance. Je ne sais pas pourquoi ce relais m'a marqué plus que les autres. On passe à l'ombre à ce moment-là. Le froid est plus fort, le plus vif. Là, on se pose vraiment la question. Est-ce qu'on va y arriver ? Et puis, Sean arrive à passer le passage ardu, enfin le plus dangereux, je pense, de l'ascension. Donc, on le suit le plus vite possible. Allez, allez! Ah, c'est dur, quoi. C'était un peu sale, mais avec l'altitude, c'est vraiment dur, quoi. Tu topes direct, tu fais un pas de bloc, et bam, t'exploses, et t'es essoufflé direct, quoi. Et à partir de là, on n'a plus que des grandes pentes de neige. Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est souvent là où c'est le plus facile que c'est le plus dangereux. Et là, ça se confirme, on se retrouve dans des pentes de neige fastoches. Rien à faire qu'à mettre les pieds l'un devant l'autre. C'est physique, c'est fatigant. Beaucoup de poudreuse, donc faut nettoyer, faut tout purger, tout ça. Mais il n'y a aucune protection, rien. On est accrochés les uns aux autres dans un mur de neige qui, s'il part par une avalanche quelconque ou si l'un de nous dévisse pour diverses raisons, il embarque tout le monde. Donc ça, c'est des moments de tension hyper fort, presque plus fort que quand on est accroché à une paroi. Parce qu'en paroi, on est à notre relais. L'assureur, par exemple, il est assuré à son relais. Il est serein, il est en sécurité. Le grimpeur, s'il tombe, il a des protections qui vont le retenir, donc il est en sécurité également. Là, on sent qu'on n'a aucune sécurité entre nous. On grimpe, on avance, on passe sous un sérac
gigantesque. Alors, c'était pas un sérac, en fait. Ça s'appelle une corniche. Chez nous, les corniches, si, dans les hauts sommets, on trouve des très grosses corniches aussi, mais là-haut, à 5800, enfin, dès qu'on commence à prendre des hautes altitudes avec beaucoup, beaucoup de neige et beaucoup, beaucoup de vent, ça arrive à créer des structures qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de débord. C'est-à-dire, faut imaginer un plafond de neige de 10 mètres. Donc, nous, on est sur notre pente de neige, là. Et au-dessus de nous, il y a un plafond qui part dans l'autre sens, qui fait 10 mètres. Voilà. Donc, c'est une quantité astronomique de neige qui peut se décrocher à n'importe quel moment. Et là, on passe dessous, en serrant les fesses un petit peu. Et on arrive côté Kirghiz. Et là, la bise, enfin, il y a un vent fou glacial qui souffle. Il est 9h30. On n'est toujours pas au sommet. On se dit, mais c'est pas possible. Il est quand, ce sommet? Nous allons arriver au sommet de nos rêves. Et le sommet de nos rêves, il n'est pas là-haut. Il est ici. Mais c'est là-haut qu'on va le chercher. On va là-haut pour essayer de le trouver ici. Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que pour trouver le sommet de ton rêve, t'es pas obligé de venir ici. Ta gueule ! De voir froid et de geler des coups, des mains et des pieds. Ta gueule ! Et de geler, d'avoir froid et de souffrir. Tu peux aussi bien trouver le sommet de tes rêves chez toi dans ton fauteuil au chaud. Mais c'est plus facile de le trouver ici. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. La partie finale est quelque chose de très forte parce qu'on sent qu'on est tout proche du but. C'est ultra stimulant, mais d'un autre côté, on sent qu'on est en train d'être borderline, à cause du froid hein, principalement, et de notre état de fatigue. Et donc, c'est toujours cette limite-là qui fait que parfois, il y a des accidents. Hein. C'est que tu penses que tu peux y arriver, et en même temps, tu sais que pour y arriver, il va falloir que tu dépasses un tout petit peu plus la limite, et ça peut mal tourner. Ce soir-là, on arrive sur un relais, c'était une pente où j'avais pu mettre des sangles et des coinceurs sur des bouts de rochers. Et côté Kirghiz, c'est un plateau. On n'est plus du tout sur des montagnes comme on avait côté chinois avec ouais, un vrai massif de montagnes, des parois dans tous les sens, des sommets partout, des glaciers, des séracs, etc. Côté Kirghiz, c'est la sécheresse nette, un plateau rocailleux, herbeux de temps en temps, mais vraiment très rocailleux, noir, assez sombre et tout plat. Je pense qu'il doit être autour de 3000 mètres d'altitude ou quelque chose comme ça. Le sommet descend comme ça en pente quasi linéaire jusqu'à ce plateau. Et puis après, à perte de vue, on voit ça au loin. Et là, il y a un couvert nuageux léger, un coucher de soleil fabuleux, des couleurs et des trucs incroyables. Moi, j'avais jamais vu un coucher de soleil comme ça. Et puis ça devient rose, ça devient rouge, ça devient violet, ça devient bleu foncé, puis ça devient tout noir. Et là, on se dit, bon, faut quand même monter, quoi. Donc, avec les frontales, on monte, on trace dans la neige. On arrive au sommet sans vraiment se rendre compte qu'on est au sommet, du coup. On s'éclaire avec les frontales, on voit qu'on n'a rien autour de nous qu'on peut éclairer de plus haut que nous. Et moi, quand j'arrive, donc là, je suis le dernier à faire cette longueur-là, à rejoindre les trois comparses, alors que je suis même pas encore arrivé, Sean et Stéphane sont déjà en train d'équiper la descente. On n'est pas dans une posture de contemplation du tout. On se caille les miches, mais c'est un truc de fou. Et on n'a qu'une envie, c'est d'être au chaud, quoi. C'est de redescendre, de voilà. Donc, satisfaction, mais sans euphorie du tout. L'euphorie, elle est très sous-jacente, je dirais. Elle est là les jours suivants, plutôt. Souvent, ce qu'on dit aussi, et c'est absolument vrai, c'est qu'il faut jamais relâcher la pression au sommet. On relâche la pression quand on est arrivé en bas au camp de base ou même à la maison. Mais la descente, c'est souvent là où se passent les accidents, parce que voilà, parce qu'on est peut-être un petit peu plus relâché, on se déconcentre. Là, on s'est pas déconcentré, je crois pas. Je crois que le froid nous empêchait de nous déconcentrer. Et on est descendu jusqu'au camp. On arrive à 4h30, je crois, 4h30 au Portaledge. Heureux, mais crevé. On fait à manger, etc. On se couche à 6h30 du mat. Et au moment de se coucher, on enlève nos chaussures, on regarde nos pieds. Et là, Stéphane nous dit, les gars, j'ai un petit souci. J'ai un pied bleu.
Il avait 2-3 orteils qui étaient vraiment pas beaux, dont un qui était vraiment, vraiment pas beau. Il avait clairement des gelures avancées. On essaye d'appeler quelqu'un de spécialisé là-dedans, avec le téléphone satellite, malgré le côté hyper éloigné de notre situation. On arrive à joindre l'Ifremont, qui est un service de médecin 24 heures sur 24 à Chamonix, qui est notamment spécialiste dans les gelures. Et je tombe sur une médecin qui me répond et qui me dit, bah voilà, là, vous avez une seule chose à faire, urgente, descendre le plus vite possible pour réoxygéner le sang, pour que ces tissus se réoxygènent le plus vite possible et qu'il y ait le moins possible de gelures vraiment irréversibles. Et deuxièmement, prendre tout de suite des antibiotiques parce que d'ici demain, son pied va commencer à boursoufler, à puruler. Enfin, ça fait comme des cloques énormes, comme si vous aviez des ampoules gigantesques. Et ensuite, ces cloques, elles percent et donc vous avez la chair à vif. Et ça, où que vous soyez, ça peut s'infecter partout et notamment dans ces coins-là. Sauf que nous, on était tellement fatigués qu'on pouvait pas attaquer la descente. Là, dans l'état dans lequel on est, quand on arrive au bivouac et qu'on a ce coup de fil, etc., on peut pas descendre. Trop, trop dangereux. Donc on décide quand même de rester là-haut une journée de plus pour dormir. Et le lendemain matin, on descend comme des fusées le plus vite possible. On arrive jusqu'à la moraine en une journée. On tire nos sacs jusqu'au bout du glacier. Et puis on atteint même le même jour, enfin la même nuit, on va dire, on atteint le camp de base. Comme on avait pu prévenir notre guide qui était resté au camp, notre guide, enfin on appelle ça un officier de liaison, voilà. Lui a eu le temps d'appeler les secours, un chamelier, un ânier, qui arrive la même nuit que nous au camp de base. Stéphane monte sur le chameau et le voilà évacué vers la ville la plus proche. Il est évacué en Belgique, il est hospitalisé quelques jours et puis voilà. Il a perdu quelques petits morceaux de chair, mais pas grand-chose. Et maintenant, il fait des Coupes du Monde d'escalade, donc ça l'empêche pas d'être un des meilleurs grimpeurs du monde aujourd'hui. Extraordinaire expérience. À l'époque, j'ai fait beaucoup d'escalade, beaucoup d'alpinisme, beaucoup de choses comme ça. Et c'est des milieux dans lesquels on communique et on se juge, on se jauge par niveau de cotation, on va dire. Cette ascension, c'est du 6A, ça c'est du 8A, ça c'est du 7B, ça c'est du machin. Et ça va donner quelque part de la valeur à l'ascension. Eh bien, ce qui est fabuleux avec ces grimpeurs belges, c'est que pour eux, la cotation, elle n'a aucun sens. Pourtant, c'est quasiment les meilleurs grimpeurs du monde, hein, dans ce genre de style-là, c'est-à-dire très engagé, très haut, très long, etc. Je connais pas d'autres équipes aussi fortes. Mais eux, savoir que c'est du 7C, du 8A, ils s'en foutent, mais royalement. Et ça, c'est super. Ça change tout. Parce que ils se font plaisir, quelle que soit la situation. Ça peut être un 6A, c'est-à-dire quelque chose que presque tout le monde pourrait faire. Ils se régalent de la même manière que sur une ascension qui est plus de leur niveau, réellement. Et ça, c'est rare. C'est vraiment rare d'avoir des gens qui sont capables de se faire plaisir à ce point-là, y compris dans les moments les plus durs. Sean, qui était donc mon binôme principal, puisque c'était mon compagnon de Portal Edge, il aime la souffrance pour ce que ça peut apporter de sagesse. Pour lui, ça a un total sens. Et pour avoir vécu ces 15 jours suspendus avec lui dans un petit cocon en paroi, j'ai compris ce que ça voulait dire. Et je crois que petit à petit, il m'a contaminé un petit peu avec ça. Vivre une expédition en la souffrant lui donne une saveur particulière et fait qu'on l'apprécie d'autant plus. Pas forcément sur le moment, évidemment, c'est quelque chose qui devient brutal, qui devient violent, qui devient parfois désagréable. Mais si on arrive à retourner la situation, c'est-à-dire à voir le désagrément, à voir la souffrance comme quelque chose qui nous enrichit, eh ben, au retour, on a un sentiment de plénitude et de satisfaction qui est total. Enfin, moi, en tout cas, je suis revenu de cette expédition avec un besoin de rien, en fait. Juste un sentiment d'être bien, d'avoir été là où il fallait au bon moment. S'il y a une personne avec qui j'ai rêvé de repartir en expédition, c'est avec lui. Thank you.
Vous venez d'entendre Une histoire pour les baladeurs, un podcast de Léo Zers, signé Camille Jusot, avec les musiques originales de Alisane Brassac et un mixage de Laurie Galigani. L'altitude vous gagne ? De nombreux récits de montagne sont à retrouver dans chaque numéro du magazine Léozers. Et pour rêver avec les yeux, les images vertigineuses sélectionnées avec soin quotidiennement constituent un portfolio sur les réseaux sociaux. À dans 15 jours donc, pour une nouvelle balade.